à tous. Bonjour tout le monde. Good morning, everyone. Dans mon rêve, je pourrais le faire le cours, faire mon. See, now I'm going to prove my point. dans mon rêve, let me slow down. Dans mon rêve, j'avais aimé faire ce discours en français. Mais malheureusement, je ne parle bien en français, as you saw. Donc, je vais parler en anglais. Je l'ai étudié pendant deux ans, mais j'aimerais vraiment améliorer mes compétences en français parce que j'aimerais beaucoup vous parler dans votre langue maternelle. Mais comme a dit Antonin, je suis venue à Paris il y a environ deux ans et c'était des deux années très intéressantes. J'ai pu rencontrer pas mal d'entrepreneurs qui vivent ici et en Europe. Ce qui m'a fascinée, c'est dans le contexte de ce qui se passe avec Charlie Hebdo, etc., tous les événements que nous avons eus, combien de personnes il y a qui vraiment cherchent à faire partie de la solution au problème. Donc, quand je me prépare à repartir à la Silicon Valley, j'ai quelque chose qui me dit que ce sera très mauvais si l'Europe adopte les modèles de Silicon Valley. Nous en parlons beaucoup avec Antonin et d'ailleurs, il m'a dit qu'il partageait cet avis. Donc, je ne donne pas mon discours habituel. Vous pouvez d'ailleurs regarder sur Google. Donc, nous avons voulu faire quelque chose de très spécifique pour ce moment, pour voir ce que l'Europe peut faire différemment. Ce dont je vais parler sont des mythes que la Silicon Valley vend au reste du monde. Si vous en parlez un peu plus, vous pourrez même dire le mot mensonge. Ce que j'aimerais d'abord faire, c'est vous demander de partager avec moi vos avis sur les histoires qui sortent de la Silicon Valley. Je voulais juste partager quelques titres que j'ai trouvés dans les derniers jours. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Des hommes blancs. Oui, très bien. Good one. What else? Sorry, what was the other one? Steve Jobs a sauvé l'entreprise. Des héros. Heroes. La religion? Religion? La Silicon Valley représente la religion, oui. There you go. La technologie qui brille. Donc, vraiment, vous avez ciblé les bonnes réponses. Je vais partager avec vous trois thèmes. Donc, vous avez vu le thème du héros, la couronne. Vous avez dit, nous disons souvent, trouvez la bonne idée, soyez celui qui la met en place. Et en ce faisant, nous mettons une couronne sur cette personne. Mais ce sont des mythes qui sont liés. Et si vous acceptez ces mythes, vous vous retrouvez dans un endroit où nous ne voulons vraiment pas être. Donc, il faut trouver la. Donc, d'abord, c'est trouver la bonne idée. Nous appelons ça l'unicorne, la licorne. Pardon. J'ai étudié plus de 300 entrepreneurs. Et j'ai appris au sujet, enfin, d'eux, de leur histoire. Quelque chose qui se répétait, c'est à quel point ce qu'ils ont commencé par faire, c'était quelque chose de à côté, quelque chose qu'ils ne pensaient pas pouvoir faire avancer. 80% des histoires étaient de petits projets de côté qui ont pris un, deux, même trois ans, qu'ils continuaient à chercher à développer parce qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter. Et ensuite, ces idées ont commencé à se développer parce que quelque chose les attirait vers l'avenir. Donc, si nous acceptons cette idée, c'est qu'il faut en fait comprendre qu'il faut chercher l'idée qui nous importe à nous. Il ne faut pas chercher l'idée à un million, un milliard de dollars. Mais qu'est-ce qu'on va faire de l'idée qui est juste à côté de nous? Vous allez peut-être l'ignorer. Donc, les entreprises qui sont très célèbres aujourd'hui, nous ne comprenons pas leur histoire. Google, une des plus grosses entreprises du monde, a commencé
pendant beaucoup d'années dans, un petit laboratoire. Et ils ont gagné de l'argent et puis ils sont partis. Et puis c'est une entreprise qui a, eu beaucoup de croissance, qui s'est développée pour pouvoir développer les, idées d'autres entreprises. Les idées originales ne commencent pas en étant des idées très grandes, mais elles deviennent grandes, larges ensuite. Ça dépend de ce que vous en faites. Le deuxième mythe, ce sont les héros. Donc, là, vous voyez des hommes blancs. Donc, ce qui est marrant, c'est que nous parlons des fondateurs de Google et nous, ne faisons pas attention à l'autre partie de l'histoire. Donc, les personnes qui ont vraiment fait avancer pendant les 7 premières années de Google étaient une femme d'origine de l'Amérique latine. Apple est une des premières entreprises où j'ai travaillé et c'est ce dont j'ai l'expérience ici dans cette image. Il y avait beaucoup de, personnes différentes et il y avait des femmes. Et ces femmes n'y sont plus maintenant. Comme vous voyez dans cette histoire de Newsweek, qu'ils appellent les pères de l'innovation. Il n'y a aucune femme, il n'y a aucune, il n'y a que des hommes blancs. Donc, un ami à moi qui est aussi écrivain, qui dit que oui, Newsweek, vous pouvez dire cela, mais vous allez ignorer les autres personnes qui, par exemple, qui ont rendu Facebook profitable. Donc, ce sont des personnes qui sont qui n'ont pas développer les idées originales. Donc, les idées pourraient venir de vous, mais elles, se développent avec le pouvoir commun. Donc, nous ne faisons pas attention aux personnes qui sont autour de nous, les liens que nous devons avoir, la confiance avec les autres. Le troisième mythe vient, des autres. Donc, si moi, je suis l'homme, je l'ai construit et donc je devrais pouvoir ramener tous les bénéfices également. Donc, si je suis sur le magazine, c'est moi le héros. Donc, c'est un message en lequel ils croient vraiment. Et les personnes de San Francisco disent, j'ai inventé Internet. Il y a vraiment des personnes qui me disent ça. Donc les technologies en fait viennent d'autres personnes que et qui étaient fondées par de l'argent du gouvernement. Donc personne n'a inventé Internet tout seul. Mais ce que cela veut dire, c'est que vous pouvez dire, oui. C'est moi qui l'ai fait. Vous pouvez ignorer tout le monde autour de vous. Et ça devrait nous perturber. San Francisco paye les entreprises pour construire de l'argent et leur demande de ne pas payer d'impôts. Mais dans toutes les rues de San Francisco, vous avez des sans-abri de partout. Si vous allez dans un Starbucks pour acheter un café, on va courir après vous. Ce n'est pas quelque chose de très aimable, mais les personnes ne le font pas pour vous. Torturer, mais parce qu'ils n'ont aucun autre endroit où aller, parce que le gouvernement a échoué, ne les aide pas. Il y a des articles qui disent « je ne veux pas m'occuper des sans-abri ». En tant que personne de technologie qui travaille sur des choses importantes comme Internet, ne devrait pas avoir à m'occuper de cela. J'aimerais pouvoir dire que, en fait, que la situation réelle est différente, mais c'est plutôt un espoir. Ce n'est pas la vérité. Nous essayons de célébrer les individus à Silicon Valley surtout, mais ils ne comprennent pas comment les choses arrivent en fait avec d'autres personnes. Je crois qu'en français, vous dites « vous, pas tu ». Donc, le « vous » s'agit d'une idée de respect. Je parle avec quelqu'un avec plus de formalité, mais c'est aussi un signe de pluriel, un groupe.
Je pense que c'est le meilleur exemple de la culture européenne. Si vous acceptez ce que Silicon Valley vous vend, vous allez vous n'allez pas profiter de votre force d'innovation d'une manière plus collaborative et connectée. Donc, pour résumer, je vais terminer avec cette idée. Trouvons une nouvelle manière d'être, un nouveau comment. Ne pas utiliser les manières de Silicon Valley parce que c'est une histoire qui ne va pas vous faire servir de votre force. Créons quelque chose au sujet de la prospérité, non pas de la richesse, une société, une communauté qui nous bénéficie à tous. Individuellement, comment nous nous tenons pour utiliser l'idée qui nous impasse. Il faut construire la communauté autour de nous. Et d'ailleurs, je regarde des personnes autour de moi qui font partie de cette communauté et essayer de savoir comment rendre service à la société et non pas la bloquer et rester très loin. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et j'espère que cela vous est intéressant et j'espère qu'on pourra plus parler un peu plus tard. J'espère que vous pouvez prendre ces mythes et ne pas les utiliser et prendre cet espoir que j'avais et le transformer en réalité. Merci.